Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un tuto qui vous explique comment vous allez pouvoir mettre des LED sur votre manette PlayStation 5. Alors il faut savoir que... Le site où j'ai acheté justement ce composant, donc pour avoir des LED sur ma manette PS5, vend des LED pour manette PS4, des LED pour console, pour tout type de console, Xbox, Nintendo et tout ça. Donc si jamais vous êtes intéressé par justement mettre des LED sur votre console, sur vos manettes, peu importe, ben, n'hésitez pas à aller en description, en commentaire épinglé, il y aura un lien vers le site internet Gaming Cobra. Si vous passez par ce lien, vous aurez directement 10% sur tous vos achats dans cette boutique. Si vous avez déjà été dans cette boutique, mais que vous n'avez pas choisi mon lien, ben vous pouvez toujours entrer le code de promotion qui est SCM. Donc vous tapez SCM à la finalisation de votre achat et vous aurez 10% de tout votre achat, de tous vos achats sur ce site. Donc c'est un code promotionnel que je vous ai dégoté pour vous. Et c'est dans la finalisation de votre commande, ils vous demanderont si vous avez un code promotionnel pour avoir une réduction. Ben, vous tapez SCM et vous aurez 10% sur tous vos achats. Alors déjà, il faut savoir que tous les trucs fournis dans ce site est garanti pendant un an. Donc ce sera garanti pendant un an. Donc s'il y a un problème ou quoi, vous les contactez, vous renvoyez le produit et ils vous renvoient... les composants qui ne vont pas ou voilà, vous vous arrangez avec. Alors, bien entendu, pour mettre des LED sur votre manette PS5, PS4, Xbox, peu importe, quand vous allez démonter votre manette, elle ne sera plus garantie. Donc, faites très attention parce que ben, si vous venez d'acheter une manette, eh ben, vous allez faire sauter la garantie parce que vous allez devoir démonter la manette pour mettre les LED. Alors, il faut savoir aussi que quand vous achetez une console PlayStation 5, vous avez une manette fournie avec le pack de la console. Donc cette manette, logiquement, en tous les cas en Belgique, n'est pas garantie. Donc ça veut dire que même dans la notice, il est marqué que les accessoires fournis avec la console PlayStation 5 n'est pas garantie. Seule la PlayStation 5 en elle-même est garantie. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Moi par exemple, j'ai installé des palettes sur cette manette, sur une manette que j'avais achetée avec le pack PlayStation 5. Comme ça, bah, je sais que celle-là, elle n'était pas garantie. Donc, j'ai une autre manette noire que je n'ai pas démontée parce que justement, elle est garantie. Alors là, j'ai une manette à palettes. Donc, si vous avez une manette normale, moi, je vais devoir démonter les palettes. Et si vous avez une manette normale, ben, quand je démonte les palettes, vous ne devrez pas les faire parce que ben, tout simplement, vous ne l'avez pas. Et comme j'ai à rajouter des palettes, j'ai certains composants qui sont différents. Et je vous indiquerai ça pendant le tuto. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Donc, n'oubliez pas mon code créateur, enfin promotionnel, qui sera en description, en commentaire épinglé. Et bah, c'est parti pour le tuto. Et j'ai terminé avec ma promotion. Voilà, voilà, c'est parti. Alors, quand vous aurez acheté les LED, vous aurez tout ce que vous voyez à l'écran. Donc, vous aurez ce socle-là avec un tournevis, une spatule pour démonter la manette. Et vous aurez ce composant-là plus des vis, plus les petits boutons. Donc que je vais enlever du socle, donc les analogues, les touches directionnelles, les boutons share et pause, share et option, le bouton PS et les touches X carré triangle. Donc voilà, déjà enlever tout ça et préparer tout pour pouvoir les monter. Alors première chose que vous allez devoir faire, c'est de démonter les touches L1 et R1. Donc c'est très simple, vous prenez votre spatule, vous faites une pression sur le bouton R2 et ensuite vous faites levier pour démonter le bouton. Donc voilà, comme ceci. Pareil pour l'autre côté, vous mettez la spatule en dessous, vous faites une pression pour démonter le bouton. Donc là, c'est un peu compliqué. Hop. Ah, c'est parce que j'avais mal mis la spatule dans le mauvais sens. Voilà, c'est bon. Quand vous avez démonté ça, vous mettez les touches de côté et vous allez démonter la coque avant, donc cette petite coque ici. Alors pour la démonter, vous prenez votre petite spatule
que vous mettez en dessous du socle et vous faites une petite pression. Pareil de l'autre côté, comme ceci, et vous faites une petite pression. Ensuite, il va falloir démonter le bas. Donc, vous mettez votre petite spatule, vous faites gauche, droite, pour démonter la partie du bas. Jusqu'à temps que vous entendez un petit clap. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, là j'ai entendu un petit clap et vous pouvez voir que toute la longueur est détachée. Alors maintenant, il va falloir détacher le haut. Donc, vous prenez un truc comme ça, la partie inférieure, et ensuite vous tirez vers le bas pour enlever les deux petites teutes. Bon, voilà, faites quand même attention, j'ai été un peu brusque, mais voilà, faites quand même attention de ne pas casser les deux petites teutes, ce serait dommage. Les deux petits yeux de hibou, si je puisse dire ça comme ça. Donc ça, vous le mettez de côté. Et là, maintenant, vous allez prendre votre tournevis et vous allez enlever la vis qui est juste ici, la vis qui est juste là, la vis qui est juste ici et la vis qui est juste là. Donc là, je vais dévisser les quatre vis. Alors, ce qui est bien avec le tournevis, c'est qu'il est aimanté, donc les vis tiennent au tournevis. Donc, c'est plutôt pas mal. Mettez quand même les vis de côté. Après, le site internet vous envoie des vis de rechange au cas où. Mais voilà, logiquement, vous pouvez réutiliser les mêmes vis. Comme ça, vous les gardez pour au cas où vous en perdez. Alors moi, maintenant, je vais devoir démonter ce boîtier. Parce que si vous avez des palettes, il faudra aussi le démonter. Donc pour le démonter, vous faites une petite pression. Voilà, bon, j'étais un peu brusque encore. Mais voilà, ça se déboîte tout seul, hein. Mais faut faire quand même une petite pression pour le démonter. Donc ça, vous le mettez de côté pour ne pas le perdre si jamais vous avez des palettes. Si vous n'avez pas de palettes, ben vous ne faites pas ça, tout simplement. Alors ensuite, si vous avez toujours des palettes, il va falloir dévisser les deux petites vis que vous voyez ici. Donc il y en a une ici, il y en a une juste ici. Donc c'est parti, je dévisse les deux petites vis. Alors ces deux petites vis, il faudra bien les garder de côté parce que c'est des vis très fines qui ne ressemblent pas les autres. Bien souvent, toutes les autres vis sont les mêmes, mais là, c'est deux vis spéciales, donc je les mets ensemble pour ne pas les perdre et pour pouvoir les réutiliser. Donc hop, je les mets avec le boîtier. Ensuite, vous avez votre petite carte mère pour les palettes que vous allez devoir déboîter, voilà, comme ceci. Voilà, et ici, vous avez le composant qui est attaché à la carte mère, donc il faudra enlever, donc lever le petit clapet juste ici. Voilà, comme ceci, là, je l'ai levé. Et ensuite, ben, vous pouvez tirer et enlever le composant. Donc ça, la carte mère, vous le mettez de côté. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est démonter la face arrière de la manette. Donc vous prenez votre petite spatule et vous faites gauche, droite, pour démonter le côté gauche. Voilà, comme ceci, jusqu'à temps d'entendre un clac et que tout ça soit bien ouvert. Et ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Gauche, droite. Voilà, là, il est bien ouvert des deux côtés. Ensuite, ici, vous avez deux petites tutes. Juste ici. Voilà, là, il y en a une. Et là, il y en a une autre. Il faudra soulever la petite tute comme ceci avec votre petite spatule. Pareil de l'autre côté. On va bien les détacher les deux. Ensuite, quand vous les avez détachés, ben vous pouvez enlever la face arrière. Donc ici en haut, il est bloqué. Il faut enlever le bas puis le haut. En faisant des petits gauche-droite, hein, jusqu'à temps que tout se démonte correctement. Ok, donc voilà, là j'ai réussi à déboîter la face arrière. Donc ça, il ne faut pas les démonter, hein. Si vous avez des palettes, ça vous le laissez. Maintenant, la face arrière, vous la mettez de côté et voici la manette vue de l'intérieur. Alors ça, si vous avez des palettes, il faudra les déconnecter. Donc il y a un composant ici à gauche, il faudra que vous déconnectez juste ici.
un autre composant juste ici qu'il faudra déconnecter. Donc il faudra lever le petit clapet, comme ceci, pareil pour celui-là. Voilà, et ensuite vous enlevez les deux petits fils. Hop. Donc ça c'est si vous avez des palettes. Ensuite ça, ben, normalement vous l'avez collé, moi je ne l'ai pas collé parce que ben, tout simplement je savais que j'allais démonter la manette. Donc, je ne l'ai pas collé, vous il faudra décoller le truc de la batterie parce que normalement ben, vous l'avez collé. Il faudra le décoller et faire attention que plus tard ben, il recolle encore. Après s'il ne colle pas c'est pas très grave mais c'est pour une stabilité en plus. Mais bon ça c'est pas très grave. Alors pour ceux qui n'ont pas de palette, vous n'avez pas ça à faire. Hein. Les trucs que je viens de dire, ça vous n'aurez pas ça vous. Ok, donc voilà. Alors première chose que vous allez faire, c'est démonter la batterie. Donc, vous enlevez la batterie, comme ceci. Et là, il y a une petite prise que vous allez devoir enlever. Donc ne tirez pas comme un fou. Mettez vos ongles et tirez sur la petite prise blanche. Donc, vous faites gauche, droite, jusqu'à temps de débrancher la prise. Parce que si vous tirez comme un fou sur les câbles, ils vont tout simplement s'enlever de la prise. Donc là, regardez, j'ai la prise ici et je l'ai enlevée de là. Donc la batterie, vous la mettez de côté. Ensuite, vous allez dévisser la plaque noire. Donc il y a une petite vis ici. On va la dévisser. Donc maintenant, c'est des vis normales. Hein. Donc cette vis, vous pouvez la mettre avec les autres vis. Tout simplement. Et vous enlevez la petite plaque noire. Donc il faudra aussi enlever le petit composant qui est juste ici parce qu'il est accroché à la plaque noire. Donc ce que vous faites, c'est que vous tirez tout simplement sur la petite languette pour qu'elle se détache. Là, comme ceci, quand c'est détaché, vous pouvez enlever. Alors faites très attention parce que en dessous de la plaque noire, il y a les câbles rouges et noirs de la vibration. Faites attention de ne pas les emporter avec. Donc voilà, enlevez avec délicatesse. Alors maintenant, vous allez devoir enlever les composants qui sont ici. Donc là, il y a une petite languette. Vous allez devoir enlever un autre ici. Donc vous, si vous n'avez pas des palettes, vous, les composants, normalement, ils sont en orange, comme ceci. Moi, comme c'est des composants que j'ai changés, ils ne sont pas en orange, ils sont en noir, mais ça ne change rien. Donc vous enlevez le composant de gauche et le composant de droite en tirant sur la petite languette. Il y a une petite languette faite exprès. Donc vous tirez dessus. Pour enlever, vous faites gauche, droite, pour ne pas casser la languette. Et vous faites pareil de l'autre côté. Gauche, droite, pour enlever cette languette. Voilà, quand vous avez enlevé les deux languettes, il y a encore deux autres languettes que vous allez devoir enlever. Donc il y a la languette du haut, juste ici, et il y a la languette du bas, juste ici. Donc c'est tous les deux décomposants. Donc vous tirez sur la languette, voilà, vous enlevez la languette du bas, et vous enlevez la languette du haut. Donc la languette du haut, moi, j'utilise ma spatule pour l'enlever. Je fais gauche, droite, etc., etc., jusqu'à temps qu'elle s'enlève. Voilà, comme ceci. Hop, voilà, maintenant que c'est enlevé, c'est parfait. Alors ensuite, il y a deux petites vis que vous allez devoir enlever. Donc, il y en a une ici et il y en a une juste ici. Donc, vous allez devoir les enlever tous les deux pour pouvoir démonter la face avant. Ok, donc mettez bien les vis de côté. Ensuite, vous allez pouvoir faire une pression vers le bas. Donc ici, les analogues, vous faites une pression vers le bas pour soulever la carte mère. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous la retournez et vous la mettez. Voilà, qu'est-ce qui bloque? Un truc qui bloque. Ok, c'est bon. Voilà, vous la mettez comme ceci. Alors faites très attention aux câbles de ne pas les dessouder et les débrancher parce que sinon ce serait la merde. Ensuite, vous avez deux petites vis ici. Vous en avez une juste ici et vous en avez une autre juste ici. Donc désolé, mais avec la lumière on ne voit pas trop bien. Mais il y a deux vis blanches à enlever. Donc sur le truc blanc, sur la partie blanche, le plastique blanc, il y a deux vis à enlever. Et les vis, elles sont couleur métal. Donc vous les dévissez. Et ces deux vis-là, il faudra bien les mettre de côté parce que c'est des vis blanches, voilà, couleur métal. Et elles sont spécifiques à cet endroit-là. Vous ne pouvez pas les mettre à un autre endroit, quoi. Donc voilà, regardez, c'est une vis
tout simplement blanche, donc on ne voit pas trop rien. Voilà, regardez, elle est blanche comparée aux autres. Donc, je la mets là, vous allez voir la différence. Elle est blanche, les autres elles sont noires. Donc pareil, pour la deuxième, vous la dévissez. La deuxième qui est juste là, je pense que vous le voyez sur la vidéo. Et voilà. Maintenant, vous la mettez de côté. Et là, vous pouvez déposer votre manette et enlever le socle intérieur en tenant la carte mère pour pas arracher les câbles rouges et noirs des vibrations. Et vous la mettez de côté. Donc ça, vous mettez de côté. Et là, on va passer aux touches. Donc première chose à faire, c'est de démonter, enfin d'enlever les caoutchoucs, les touches et des flèches. Voilà, ensuite ben, vous faites ça pour enlever les touches et pour enlever les flèches. Donc ça, vous mettez de côté. Voilà. Et là, vous allez devoir enlever le petit caoutchouc qui est juste ici. Voilà. Et vous allez enlever le bouton PS qui est juste là, qui était en dessous du caoutchouc. Donc le bouton PS, on n'en a pas besoin. On aura besoin de ces trucs-là. Ensuite, vous allez prendre le bouton PS transparent et vous allez le remplacer par l'autre bouton PS qui était noir. Hop. Ensuite, vous remettez le caoutchouc. Vous pouvez voir qu'il y a deux petits trous aux extrémités en haut à gauche et en haut à droite. Il faut les remettre dans les petites tuts qui sont en haut à gauche et en haut à droite. Tout simplement. Donc, très important, le côté noir doit être vers nous, vers vous. Donc, vous mettez le côté noir vers vous et ensuite, vous le mettez dans les petites tuts. Voilà, comme ceci. Alors, il y a aussi les deux boutons options. Donc, le bouton share et le bouton option que vous allez devoir enlever. Voilà. Et vous les remplacez par les boutons transparents. Donc, normalement, si ça ne s'emboîte pas, ça veut dire que ce n'est pas le bon emplacement. Voilà, là, celui-là, il ne s'emboîte pas. Il doit sûrement se mettre dans l'autre emplacement, juste ici. Donc, non, il ne s'emboîte pas, donc ça doit être le bon emplacement. C'est juste que je l'ai mal placé. Voyons voir. Pourquoi il ne veut pas rentrer. Intéressant. Ah, peut-être que c'est dans l'autre sens, ok. Attendez. C'est pas comme ça. Peut-être dans l'autre sens. Ah, voilà, c'était bien à droite, mais je l'avais mis à l'envers. De toute façon, si ça ne rentre pas, c'est qu'il n'est pas bien positionné. Sinon, ça rentre tout seul. Alors maintenant, on va mettre les flèches. Donc la petite tige, vous voyez, une petite tige vers le bas, enfin vers un côté. Bien, cette petite tige, vous allez la mettre vers le bas, comme ceci. De toute façon, vous ne pouvez pas la mettre autrement, sinon ça ne rentrera pas. Et s'il y a du jeu, c'est totalement normal parce que c'est des flèches. Alors maintenant, on va mettre des boutons. Ici, vous avez une forme au bouton. Vous avez des petites tutes. Donc, elles vont toutes à un endroit bien précis. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, par exemple, c'est la touche du bas. Donc, c'est le X qui n'est pas marqué. S'il est marqué, ce sera plus simple. Mais moi, il n'est pas marqué comme c'est des touches transparentes. Bah, vous aussi, si vous suivez ce tuto pour mettre des LED, bah, c'est des touches transparentes. Donc, il ne sera pas marqué non plus. Alors, je croyais que c'était la touche du X, mais ce n'est pas la touche du X. C'est la touche de droite. Donc je crois que c'est le carré. Ouais, c'est la touche de gauche. De droite parce que c'est inversé. Et ici, donc ça c'est la touche rond. Donc on le met ici. Alors celle-ci c'est la touche X. Et celle-ci c'est la touche triangle. Voilà, voilà. Ok. Donc maintenant on va remettre les caoutchoucs. On va mettre, regardez, il y a deux caoutchoucs différents. Il y en a un plus rectangulaire que l'autre. L'arrondi, celui-là, c'est pour les boutons X, triangle, carré et rond. Et celui-là, c'est pour les flèches. Donc tout simplement, très important, regardez, il y a quatre petits trous. Il faut mettre, dans les petits trous, il faut mettre les encoches. Enfin, les petites tutes. Donc vous faites rentrer les petites tutes dans les trous. Donc il est là, hop, vous faites une petite pression aux quatre emplacements pour que les quatre tutes se placent bien. Voilà, voilà. Ensuite, pareil pour de l'autre côté, vous mettez les quatre petits trous dans les quatre petites tutes. La tute là, la tute ici et la tute là. Donc voilà, bien entendu, le côté noir toujours vers vous, hein, toujours face à vous.
Alors ça, maintenant, on a terminé avec celui-là. On le met de côté. On va le mettre ici. Et vous prenez votre manette que vous allez remettre les analogues comme ceci. Voilà. Hop. Hop. Vous refaites passer les composants. Vous remettez les analogues. Et vous regardez votre manette comme ceci. Alors maintenant, ce que vous faites, c'est que vous enlevez les analogues. Voilà, vous faites une petite pression pour les enlever, vous les mettez de côté, on n'en aura plus besoin. Hop. Ensuite, vous allez prendre votre composant. Et ici, vous voyez, ici, il y a le composant, on peut voir qu'il rentre dans une petite fente. Là, vous allez devoir passer le composant ici, sur cette petite fente justement. Donc, bien entendu, les ronds là que vous voyez blancs, c'est des autocollants, il faut les mettre de l'autre côté. Hein. Donc, il faut que ce soit face comme vous, face à vous. Et là, vous rentrez le petit composant dans la petite fente juste en dessous. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous placez le composant. Donc, il faudra enlever, il faudra un peu déboîter les analogues d'en bas. Donc, la plaque de la carte mère de la manette, il faut la déboîter. Sinon, ça n'ira pas. Donc, pour la déboîter, vous appuyez sur les deux analogues. Voilà, comme ceci. Faites attention au câble, bien entendu. Voilà. Et là, vous replacez. Parce qu'en fait, on pouvait pas. J'arrivais pas à rentrer le composant dans la fente. Parce qu'il y avait la carte mère. Hop, on va mettre ça droit. Déjà. Comme ceci. On met le composant juste ici. Et normalement, tout s'enclenche. Tout s'emboîte plus ou moins bien. Voilà. Donc, hop. Maintenant, on retourne la manette. Et là, derrière le composant. Oh, je viens de déboîter un truc. Ok, j'ai déboîté le composant de mes palettes. Je vais le mettre avant, donc juste ici. Voilà, juste ici, il y a le composant que vous devez emboîter sur l'autre composant. Vous voyez? Et là, moi, je vais mettre ce composant-là avant. Donc, le composant, normalement, ça se met comme ça. Voilà. On va mettre le composant des palettes avant. Voilà. Il y a deux petites tutes. Hein. Il faut rentrer le composant dans les tutes. Et ensuite, vous mettez votre composant avec les tutes aussi. Pour les LED. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai réussi à emboîter le composant dans les deux petites tutes. Donc, il y a trois composants dans les deux petites tutes. C'est assez incroyable. Ok, donc là, vous remettez la carte mère correctement. Et vous faites une petite pression pour que ça se clipse. Normalement, ça devrait se clipser. Voilà, comme ceci. C'est un peu délicat parce qu'il y a beaucoup de composants à droite, à gauche, un peu partout. Voilà, logiquement, tout est bien mis. Donc là, vous voyez, il y a des petites encoches. Juste une ici. Il y en a une juste ici. Il faut essayer de les caler. Pour que le composant s'attache bien. Il y a une coche. Une petite encoche ici, une petite encoche là. Pareil de l'autre côté. Petite encoche ici. Juste ici. J'ai du mal à emboîter. Voilà, je pense que j'ai réussi. Voilà, cette encoche là. Et maintenant, je vais emboîter cette petite encoche. Juste à droite. Voilà, là j'ai emboîté toutes les encoches. Parfait. Alors maintenant, ici derrière, vous avez des autocollants que vous allez devoir décoller. C'est parti. Hop, décollez le papier. Et le collant, vous allez le coller sur l'analogue comme ceci. Sur le rond. Voilà, vous faites une petite pression pour que ça colle bien. Voilà. Donc là, la petite languette, si elle ressort,
petite languette que vous voyez juste ici, si elle ressort, ben faut appuyer dessus pour l'enfoncer, pour qu'elle passe vers le bas. Voilà. Hop, et là, vous allez faire la même chose de l'autre côté avec l'autre analogue. Donc, vous enlevez le papier collant. Voilà. Et vous faites coller le composant juste ici sur l'analogue de droite. Et là, regardez, justement, j'ai le composant qui fait une boucle. Et ben, j'appuie vers le bas pour faire en sorte que la boucle soit vers le bas. Parce que le composant, c'est pas bien qu'il soit en hauteur. Donc, servez-vous de votre petite spatule pour le faire passer vers le bas. Voilà, comme ceci. Ok, parfait. Vous voyez? Maintenant, vous allez enlever les papiers collants qui sont ici en haut à droite et ici en haut à gauche. Donc, ils sont derrière. Hein. Vous enlevez les papiers comme ceci. Et vous collez le composant à la manette. Alors, vous faites une petite pression pour que ça colle bien. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Hop, vous enlevez le collant. Et vous faites une petite pression pour que ça colle. Comme ceci. Donc ça, on en a plus un, on va mettre de côté. Ensuite, ici, il y a un autre papier collant que vous allez devoir enlever. Ah, celui-là, il a galère à enlever apparemment. Peut-être. Ah voilà, j'utilise de l'autre côté. Hop, j'enlève. Et maintenant, je vais devoir coller le collant juste ici à droite de la manette. Voilà, comme ceci. Collez bien le collant. Faites une petite pression pour qu'il colle partout. Et voilà. Parfait. Ensuite, on va rebrancher les analogues. Donc, faites une petite pression. Un peu galère à mettre en fait. Ah, c'est parce qu'il y a une forme. Ok, j'avais pas vu, il y a une forme à respecter. Donc il faut le mettre dans la bonne forme. Donc il faut que je le mette comme ceci. Et là, je fais une pression. Et voilà, ça s'enfonce bien. Ok, c'est parfait. Là, il s'est bien enfoncé. Donc pareil de l'autre côté, je regarde la forme en dessous. Et je le mets sur la tige de l'analogue et j'enfonce. Donc, oups, j'ai appuyé sur la carte mère, c'est pas grave. Mais voilà, les analogues sont bien mis. Donc là, je vais remettre la carte mère parce que je l'ai déboîté. Alors, très important, je viens de remarquer un truc. Parfois, c'est possible que ce petit truc-là se détache du composant de la carte mère principale. Mais c'est pas grave. Il y a une encoche spécialement, enfin un trou spécialement pour le mettre. Donc vous mettez flash face blanche comme ceci vers l'extérieur. Et ensuite vous refermez la carte mère. Très important, c'est un petit bouton qui tient normalement, mais parfois il s'enlève, mais c'est pas très grave. Hop, et regardez maintenant, la carte mère elle s'emboîte très facilement. Ok. Alors maintenant nous allons remettre la face avant. Donc faites bien attention à ce composant là et à ce composant ici qui ne doivent pas être cachés par la carte mère. De toute façon, la carte mère, on va la déboîter. Voilà, comme ceci en appuyant sur les analogues. Sur les analogues juste ici, vous la déboîtez. Donc le bouton ici, on le remettra après. On le laisse de côté. En fait, c'est un aimant, je n'avais pas capté. Ok. Donc, nous allons placer la manette sur l'avant pour la remboîter. Faites bien attention que ces câbles là doivent être disponibles. Donc le composant du haut qui est, alors le composant là juste ici en haut doit passer dans la petite fente juste ici. Faites le passer, très important, vous en avez besoin. Voilà, il doit passer dans la petite fente qui était juste ici en haut. Ensuite vous mettez les composants de droite, ce composant de droite doit être disponible. Le composant de gauche aussi. Le composant en haut, si jamais vous avez des palettes, doivent être disponibles. Le composant
du haut, juste ici, ben, il s'est replanqué. On va le faire ressortir. On va le faire ressortir, on va essayer quoi du moins. On le refera sortir après. Là, on va faire ressortir le composant du bas. Et juste ici. Hop, voilà, j'ai réussi. On va essayer de faire ressortir le composant du haut. Voilà, parfait. Et là, vous remboîtez la carte mère. Ah non, il ne faut pas remboîter tout de suite en fait. J'avais oublié. Il faut revisser d'abord la face. Donc on va faire ça. Il faut revisser la face blanche. Vous prenez les vis blanches comme ceci. Donc les vis blanches. Et vous allez les revisser dans les trous de la manette sur le plastique blanc. Ok, donc comme ceci, vous en mettez une à gauche, vous vissez. Vissez bien les vis. Hein. Quand vous revissez des vis, essayez de visser au maximum jusqu'à temps qu'elle ne tourne plus. Parce que si vous vissez mal une vis, c'est possible que le reste de la manette dysfonctionne. Donc faites très attention à ça. Donc là, on va visser la deuxième vis à droite sur le plastique blanc. Il n'y a que deux vis hein, à visser. Hop. Donc voilà, juste ici à droite. Vous vissez la deuxième vis jusqu'au bout. En même temps, regardez si le composant juste ici n'a pas bougé. Hein. Faut vraiment qu'il soit toujours dans les deux encoches, dans les deux petites toutes. Alors très important, j'ai carrément oublié de remettre le petit truc aimanté. Donc j'ai dû redémonter parce que vous voyez bien que la batterie est déjà montée et tout. En fait, le problème, de toute façon, vous verrez bien dans la suite de la vidéo, le truc aimanté, il est toujours là et j'ai oublié de le remettre. Donc, très important, remettez ce petit composant aimanté. Donc, face blanche, comme ça. Et le petit mousse doit être face à vous. Donc, vous le remettez dans le petit trou juste ici. Comme ceci, regardez. Hop, voilà. Je l'ai remis juste là. Très important. Il faut remettre ce petit composant là parce que ça doit sûrement être important. Donc voilà. Alors maintenant que vous avez revissé la partie blanche, là vous pouvez faire refermer la carte mère en refaisant passer les composants au-dessus de la carte mère. Le composant du bas, encore une fois, on va le faire passer. Donc on va prendre notre tournevis, on va le récupérer. Voilà. On va le repositionner correctement parce que là, c'est un peu barré. C'est un peu emmêlé un peu. Ok, donc là, j'ai réussi à récupérer le composant du bas. Je vais juste essayer de bien le faire passer. Voilà, comme ceci. Parfait. Donc maintenant, le composant de gauche est disponible. Le composant de droite aussi. Le composant du bas, oui. Le composant du haut, des palettes, sont disponibles. Le petit composant ici n'est pas disponible. Hop, on le fait ressortir. Ok, les deux câbles sont disponibles. Donc là, j'ai fait une petite pression pour attacher la carte mère. Alors maintenant, les composants, bah, vous allez tout simplement les rebrancher dans les prises. Donc le composant du haut, vous le rebranchez dans la prise du haut. Vous faites une petite pression gauche droite gauche droite gauche droite jusqu'à temps que la ligne blanche soit jusque dans la prise, soit bien branchée. Ensuite, le composant de gauche, pareil, vous le mettez avec la petite languette, vous le mettez dans la prise, vous faites gauche, droite, gauche, droite. Il faut vraiment qu'il soit bien enfoncé. Hein. De toute façon, vous verrez bien de plus près quand vous le ferez. Il y a deux petites encoches à gauche, à droite. Il faut que les deux encoches tiennent. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais juste ici, en fait, juste ici, côté gauche et côté droit, il faut bien qu'il soit enfoncé jusqu'au bout. Pareil pour le composant de droite, c'est pareil. Gauche, droite, hop, vous l'enfoncez bien. Donc désolé, la qualité de la caméra n'est pas oufissime, donc je n'arriverai pas à vous montrer ce que j'essaye de vous dire. Mais bon, vous le verrez par vous-même quand vous le ferez. Donc ici, pareil, le petit composant du bas dans la prise blanche. Juste ici. Et je vais essayer quand même de faire un petit focus. Ok, donc le focus ne se fait pas trop, mais bon,
vous rebranchez le composant de gauche ici et vous rebranchez le composant de droite juste ici. Le composant du haut juste ici et le composant du bas dans la prise blanche juste ici. Ensuite, vous allez remettre le cache noir. Donc si vous avez des palettes, il faut que le composant du milieu là, de gauche, passe au-dessus de la plaque noire. Et ça aussi, ça doit passer au-dessus de la plaque noire. Mais ça, c'est même si vous n'avez pas de palette, ça vous l'avez. Donc faites attention à ça. Et là, ici, le câble rouge et noir, les deux côtés, côté gauche et côté droite, il faut les faire passer en bas de ça, à l'intérieur. Donc regardez, déjà, on va mettre le composant, on va mettre la plaque comme ça, faire passer le composant dessus. Voilà. Voilà comme ceci. Donc là, le composant du bas, on peut le faire passer aussi au-dessus. Voilà. Ok. Donc là, je l'ai bien placé. Regardez, les câbles rouges sont à l'intérieur du plastique. Ils ne sortent pas à l'extérieur. Ils passent à l'intérieur. Pas qu'ils sortent à l'extérieur parce que sinon ben, ça les protège pas. Ça les protège pas. Là ça passe à l'intérieur. Donc ça protège les deux câbles rouges et noirs. Donc voilà, faites comme ça. Là par contre le câble rouge, je trouve qu'il est mal placé. On va le placer plus vers le bas. Il faudrait qu'il passe vers le bas. Et là, voilà, comme ceci. Parce que le câble rouge passait au-dessus de tout. Et ça c'était pas très bon. Donc maintenant le composant du milieu, vous le faites rentrer. Donc il y a une petite fente que vous pouvez faire rentrer le composant du bas. Voilà, comme ceci. Et là, c'est bien placé. Pour l'instant, tout se passe à merveille. Alors maintenant, vous allez revisser la plaque avec une vis normale, une vis noire. Juste ici, vous mettez une vis noire et vous revissez pour que la plaque noire tienne à la carte mère. Voilà, vissez bien jusqu'au bout, jusqu'au moment où vous ne pouvez plus tourner la vis. Ne vissez pas non plus comme un bœuf pour casser la vis. Hein. Alors maintenant, le câble de droite, donc qui est le câble du LED, pas celui du haut, hein, celui du bas, vous allez aller le brancher à l'ancienne prise de la batterie. Donc juste ici, la prise blanche, vous allez mettre ce câble-là, donc le câble du bas. Vous allez le mettre dans la prise blanche. Il faut que le câble passe par ici. Il ne faut pas qu'il passe par là. Hein, parce que s'il passe ici, quand vous allez appuyer sur votre touche, ça va gêner. Donc, il faut vraiment le faire passer en dessous du rond. Comme ceci. Et là, vous allez le brancher. Donc, il y a un sens. Hein. Donc, vous regardez le sens. Vous regardez les petits trous. Et vous les mettez dans le petit trou juste ici en bas. Et vous branchez la prise. Gauche, droite, faites une petite pression. Normalement, ça doit bien rentrer jusqu'au bout. Ok, voilà. Là, c'est bien rentré. S'il faut, vous appuyez même avec votre petit tournevis. Hop, pour bien faire une petite pression. Et là, il faut vraiment que les câbles restent ici. Hein, parce que s'ils passent par là, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment qu'ils passent par ici. Ok. Alors ensuite, vous allez prendre votre batterie et vous allez le brancher dans cette petite prise. Hop, comme ceci normalement. Voilà, parfait. Quand vous entendez un petit clic, ça veut dire que vous avez bien branché la batterie. Maintenant, la batterie, ben, tout simplement, vous la replacez ici. Le côté lisse, côté plastique, et le côté brillant, côté vous, face à vous. Hop. Faites bien sûr passer, si vous avez des palettes, faites passer les composants au-dessus, donc ce composant-là, et le composant de droite, et essayez de replacer la batterie correctement. Donc là, j'ai mon composant de gauche, de haut, mais j'ai pas mon composant de droite parce qu'il est bloqué par le câble. Donc essayez de l'enlever, voilà, comme ceci. Maintenant, j'ai récupéré mon composant de droite.
Alors bien entendu, les composants, ceci, c'est uniquement pour ceux qui ont des palettes. Vous, les composants, normalement, ils sont déjà en dessous. Vous n'avez plus de composants qui bougent. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça et vous n'avez pas ça. Donc là, ce que vous allez faire avec ce câble de chargement, c'est de le mettre en bas. Donc vous le décalez ici pour qu'il passe vers le bas pour ne pas gêner le bouton R2. Très important aussi. Voilà, vous le faites passer comme ceci vers le bas. Voilà, parfait. Alors maintenant, vous allez visser le côté gauche et le côté droite, juste ici. Voilà, juste ici, il y a un petit trou, voilà. Donc vous prenez une vis, des vis noires, et vous refissez les deux côtés pour que la face avant soit bien attachée. Hop, première vis à gauche. Comme d'habitude, vissez bien, pas trop fort non plus, mais pour que la vis ne tourne plus. Oh là, j'ai fait tomber ma vis. Hop, je la récupère. Et on va visser le côté droite. Et voilà, le côté droite est vissé aussi. Parfait. Alors maintenant, pour ceux qui ont des palettes, vous allez devoir rebrancher ces composants-là, ces trois composants. Donc là, je vais enlever l'autocollant. Parce que maintenant, je vais pouvoir le brancher parce que je ne compte plus démonter cette manette. J'ai fait tout ce que je devais faire avec cette manette, donc c'est parfait. Hop, je colle le composant à la batterie. Je lève les petites prises pour pouvoir rentrer les composants. Donc les composants de gauche, du haut et du bas. Composants du haut et du bas. Donc vous levez les petits clapets. Celui du bas, la troisième prise ici, elle ne sert à rien, c'est optionnel. Moi, je ne l'utilise pas, c'est pour les boutons R3 et L3 sur des palettes, mais ça ne m'intéresse pas. Donc maintenant, pour ceux qui ont des palettes, le composant de gauche, vous le mettez en haut. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous fermez le clapet. Si le clapet ne ferme pas, ça veut dire que le composant n'est pas bien branché. Donc, il faut l'enfoncer un peu plus. Là, pareil pour le composant de droite qui est juste ici. Vous le branchez à droite. Voilà, comme ceci. Et si vous ne pouvez pas fermer le clapet, ça veut dire qu'il est mal branché. Donc là, tout est bien rebranché. Maintenant, nous allons refixer les palettes, enfin la face arrière à la manette. Donc si vous avez les palettes, bien entendu, ce composant-là, vous allez devoir le faire passer dans le petit trou de la manette, comme ceci. Hop, il faut que le composant ressorte par ce petit trou. Et là, faites attention aux câbles, il faut vraiment que les câbles soient vers le bas, sinon ça ne fonctionnera pas, sinon ça va faire un petit problème. Donc quand vous reboîtez votre manette, l'arrière de la manette, et faites en sorte que le câble se passe bien pour ne pas qu'il vous gêne, pour ne pas qu'il casse. Donc là je vois qu'il dépasse un peu par ici, donc je vais le pousser un peu plus pour ne pas que ça dépasse. Ok, voilà, parfait. Et là, vous reclipsez. Donc ici, il y a deux petites tutes que vous allez devoir remboîter. Donc vous faites une petite pression. Voilà. La deuxième. Là, j'ai du mal à fermer ici. Qu'est-ce qui se passe? Ok, non, c'est bon, ça passe. Voilà, là, j'ai refermé les deux petits clapets. Ok. Le composant ici, il est bien mis. Faites attention qu'il soit bien placé, ce composant. Il y a une petite fente où vous pouvez le mettre. Normalement, il doit être bien placé. Faites attention à ça. Voilà, normalement, là, ça devrait être bon d'être placé comme ça. Donc là, vous fermez la manette. Vous faites une pression sur toute la manette pour voir si c'est bien. Ok, donc là, les touches fonctionnent. X, carré, triangle, les analogues fonctionnent. Vous pouvez voir aussi qu'elles sont déjà lumineuses. Mais ça, je vous expliquerai après comment changer la couleur, etc., etc. Donc ensuite, vous allez devoir revisser les quatre vis. Donc les deux vis ici, en haut. Voilà. Et les deux vis en bas. À gauche et à droite. Donc là, c'est parti, c'est ce que je vais faire. Alors très important, quand vous vissez les vis des boboutons R1 et L1, c'est très important de bien les visser jusqu'à temps que la vis ne tourne plus. Par exemple, là, je ne peux plus la tourner. Ne forcez pas non plus pour casser la vis.
mais il faut bien les visser parce que moi j'ai déjà eu le problème que je n'avais pas bien vissé les vis du bouton L1 et R1. Et en fait, quand j'appuyais sur le bouton, eh ben, le bouton ne s'actionnait pas en fait. Parce que la vis faisait obstacle. Donc si vous ne vissez pas bien, ben, vous ne pourrez pas appuyer sur la touche. Donc si vous n'arrivez pas à appuyer sur la touche, ça veut dire que la vis n'est pas bien vissée. Donc vous enlevez la touche et vous revissez un peu la vis pour être sûr qu'elle soit bien enfoncée jusqu'au bout. Donc là maintenant, je visse les deux vis du bas, donc des poignets, gauche et droite. Ok, donc voilà, c'est bon, c'est bien vissé. Maintenant, vous allez devoir replacer la face avant. Donc cette petite face là, vous allez la repasser dans les analogues comme ceci. Donc faites en sorte que les deux petites tiges passent au-dessus, enfin en dessous du truc là, dans les deux petits trous. Voilà, comme ceci. Il faut que les deux petites tiges en bas passent dans les deux petits trous, hein, sinon ça ne va pas. Ensuite, vous faites une pression comme ça et vous reclipsez la face inférieure de la manette de l'avant, comme ceci. Donc là, voilà. Faites une pression partout, vérifiez qu'elle est bien fixée partout, même sur le bas. Ok, c'est bon. C'est bien fixé partout. Donc quand j'appuie, ça fonctionne, tout fonctionne. Ok, donc maintenant on va remettre le bouton L1. Donc c'est très simple, hein. Vous appuyez là, vous mettez le bouton comme ceci, voilà, et vous faites une pression. Et là, si la vis serait mal vissée, vous n'aurez pas le petit clic quand vous appuyez sur le bouton. Et là, pareil, vous mettez le bouton R1 et vous faites une petite pression, vous vérifiez que le bouton fonctionne bien. Donc le bouton option, le bouton star, les touches, les analogues, les touches L1 R1, le cliquement fonctionne, le bouton mute fonctionne, tout est parfait. Alors quand vous avez reboîté votre manette, j'aurais peut-être dû vous le dire avant, mais ce câble-ci, faut faire en sorte qu'il ressort pas de tout ça quoi. Là il ressort parce qu'en fait comme j'avais déjà placé les palettes auparavant, bah en fait ça a pris le pli. Mais je sais que la première fois que j'avais mis mes palettes, le câble dépassait de ça, donc j'ai dû redémonter la manette pour faire passer le câble dans la manette. Donc là ça va, la distance elle est bonne. Donc ce que vous allez faire, si bien sûr vous avez des palettes, c'est rebrancher les palettes. Donc là vous allez prendre votre carte mère. Ici, il faudra bien ouvrir le clapet de la prise. Ensuite, le bouton rouge lumineux, vous le mettez comme ceci. Vous prenez votre composant face noire et la petite étiquette là. Et ensuite, vous rebranchez le composant dedans et vous fermez le clapet. Donc si le clapet ne se ferme pas, ça veut dire qu'il est mal branché. Ensuite, vous prenez votre carte mère de vos palettes, votre composant, et vous le placez comme ceci. Hop. En faisant attention de ne pas trop plier le composant juste en dessous. Et vous le mettez dans les petits clapets juste ici en bas. Donc là, il y a un petit clapet. Et juste ici, il y a un autre petit clapet. Une petite toute comme ça. Vous les faites rentrer dedans. Et les petites tiges en bas aussi. Ensuite, vous prenez les vis qui étaient justement prévues pour cette carte mère. Donc vous prenez ces vis et vous les revissez. Donc c'est des vis très très fines. De toute façon, si vous essayez de mettre une autre vis, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument mettre ce type de vis, sinon les autres ne fonctionnent pas. Donc il y a deux vis à visser, une en haut à gauche et l'autre juste ici à droite. Donc c'est parti, je vais visser tout ça. Alors comme d'habitude, vissez bien les vis. Ne pétez pas quand même la carte mère, ne vissez pas trop fort non plus. Mais vissez logiquement jusqu'au bout pour que ce soit sûr que ce soit fonctionnel et qu'il n'y ait pas un problème. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Ouais, je ne peux plus la visser. Alors maintenant, vous allez devoir remettre votre boîtier. Donc, remettez le petit bouton ici. Ensuite, tenez le petit bouton parce qu'il ne tient pas. Ce petit bouton-là, il ne tient pas. Donc il faut le maintenir, mettre le bas d'abord,
Ah bah ouais, vous voyez, il tient pas force. Il tient pas fort parce qu'en fait, c'est un bouton qu'on doit appuyer dessus, donc il tient pas. Donc mettez le bas d'abord, voilà, comme ceci. Hop, le bouton est toujours visible. Dès que vous voyez le bouton et que tout est bien placé, là, vous faites une petite pression vers le haut. Pour le clapper, voilà, vous entendez un gros clap, ça veut dire que vous l'avez bien clappé. Et là, les palettes à l'arrière fonctionnent bien. Droite à gauche, ça fonctionne bien. Alors, maintenant, vous regardez si les touches fonctionnent. Palette de gauche, palette de droite, ça fonctionne. Le petit bouton là, fonctionne. Ici, L2, R2, fonctionne. R1, L1, fonctionne. Bouton option, share, fonctionne. Les flèches, ça fonctionne. Le bouton X triangle rond, fonctionne. Les analogues, quand je clique dessus, fonctionne et il tourne. Le bouton PS, fonctionne. Et le bouton mute fonctionne. Donc là, vous avez terminé l'installation. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très très simple. Donc déjà, vous pouvez voir que c'est magnifique. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Avoir des LED et tout, c'est trop stylé. Alors pour allumer et éteindre les LED, il faut faire flèche du haut et flèche de droite en même temps plus carré. Donc hop et carré pendant quelques secondes. Vous allez voir qu'ils vont s'éteindre. Donc on attend. Voilà, là ça s'éteint. Pour les rallumer, c'est pareil. En haut et à droite, carré. Voilà. Maintenant, pour changer les couleurs, parce que vous avez plusieurs couleurs, hein, c'est du RGB, vous faites flèche de haut, carré, pendant quelques secondes, jusqu'à temps que ça clignote. Voilà, là, ça clignote. Ensuite, quand vous avez, quand ça clignote, vous faites flèche de droite pour changer les couleurs. Donc là, c'est jaune. Là, c'est violet, violet mauve quoi. Là, c'est bleu mauve. Là, c'est bleu vert pomme. Là, c'est un RGB, je crois. Il change de couleur tout seul. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a vert. Là, il clignote. Ok, de plusieurs couleurs. Alors, quand vous avez choisi votre mode de couleur, vous appuyez sur flèche de haut carré jusqu'à temps que ça le valide. Donc, vous maintenez. Et voilà, là, ça l'a validé. Donc là, j'ai choisi couleur verte. On va choisir une autre couleur. Donc, je rappuie sur flèche de haut carré. Je vais regarder un peu les autres couleurs qu'il y a pour voir un peu. J'aimerais bien du RGB qui change tout seul de couleur. Donc, je maintiens L1, flèche de haut carré. Ensuite, je fais flèche de droite pour chercher. Donc, ça, c'est bleu, jaune. Oh, voilà. Là, ça change pas de couleur. Là, ça change de couleur. Donc là, je vais faire flèche de haut carré pour sélectionner ce mode. Donc voilà, là, c'est sélectionné. Et regardez, la manette change de couleur elle-même. Alors, je vais quand même aller voir le prochain mode. Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs modes de RGB. Donc, je maintiens flèche de haut carré. Pendant quelques secondes, jusqu'à temps que ça clignote. Voilà, maintenant je fais flèche de droite, je choisis le deuxième mode. En fait là, ça va changer beaucoup plus rapidement, j'ai l'impression. Donc là, je sélectionne celui-là. Donc je fais flèche de haut carré pendant quelques secondes, jusqu'à temps qu'il arrête de clignoter. Ah bah en fait non, il change pas de couleur plus rapidement. Donc ça a bien validé le mode. Mais en fait, ce mode-là, c'est un RGB, donc il change de couleur, mais il clignote en clignotant. Donc j'aime pas trop. Je veux rechanger de mode. Flèche de haut carré. Voilà. J'ai fait flèche de droite pour voir le prochain mode. Et là j'ai l'impression qu'il va seulement clignoter en rouge. Donc on va quand même sélectionner et accepter pour voir si c'est vraiment le cas. Ah non, là il reste couleur rouge. Donc en fait, si j'ai bien compris, vous avez le choix de choisir la couleur fixe, donc une seule couleur qui reste. Vous avez le choix entre le RGB qui change de couleur tout le temps, ou alors vous avez le choix entre le RGB clignotant. Donc moi, je vais mettre le RGB qui change de couleur tout simplement. Je crois, voilà, c'est celui-là. Je le valide, flèche du haut, carré. Je maintiens pendant quelques secondes jusqu'à temps qu'il arrête de clignoter. Et voilà, là, il change de couleur tout seul. Et si maintenant je veux l'éteindre, bah, je fais flèche du haut plus flèche de droite, carré. Je me maintiens pendant quelques secondes jusqu'à temps que les LED s'éteignent. Et voilà, c'est tout pour ce petit tuto, enfin ce petit long tuto quand même. Voilà, j'ai fait un tuto
complet. J'espère que mes explications vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous rappelle que dans la description, en commentaire épinglé, il y a un code promotionnel. Je ne sais pas pourquoi ça ne se rallume pas. Il y a un code promotionnel de 10% sur tout le site Gaming Cobra où vous pouvez justement acheter ces accessoires, ces LED, tout ce que vous voulez pour customiser vos consoles, vos manettes, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et par contre, ça prend quand même un peu de temps à s'envoyer parce que c'est une société, je crois, américaine ou anglaise. Donc ça prend quand même pas mal de temps, genre 2-3 semaines avant de recevoir votre colis. Donc voilà. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, 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 bruh. Yummy.